Bonjour, ici Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Nouvelle semaine ensemble. C'est encore le mois de novembre, ou plutôt on vient de passer en novembre, mais j'ai envie de dire c'est encore l'automne. Et quoi qu'on voie sur les réseaux sociaux, nous on reste encore dans une bonne ambiance automnale. Ce n'est pas encore Noël. Ah ah, vous le voyez à l'écran? Qu'est-ce qu'on prépare? Une tarte à l'oignon. Pour ceux qui me suivent, vous savez que c'est le signal pour dire « Je suis seule, mon mari n'est pas là !» Donc les enfants étaient en vacances chez leur grand-mère, mon mari en déplacement, il restait simplement bébé et moi. Et donc, on s'est fait un menu de rêve à base d'oignons. 1. Tarte à l'oignon. 2. Tarte à l'oignon. 3. Encore une tarte à l'oignon. Je me suis régalée. Et là, j'ai envie de vous dire, oui, bon, puis en plus, les oignons, c'est de saison, donc c'est très bien, voilà, je fais ma petite bobo. Oui, mais non, mais après, tiens, moi, quelle que soit la saison, lorsque je suis seule, je fais une tarte à l'oignon. Et celle-là était délicieuse. Regardez, déjà vous voyez sur la caméra, vous voyez les images, il y a la lumière dorée du coucher du soleil. Et vous dire, mais Anna, vous mangez très tôt? Oui, oui, je vous assure. Bébé, moi, 6h30, 6h45, nous sommes à table. C'est un régal. Donc, qu'avons-nous fait cette semaine? Le soir, nous nous promenons. Vous voyez, il fait encore beau. On a une très belle semaine, un été indien. Petite feste. En journée, travail. Bébé dort beaucoup, donc c'est très bien. Pendant ce temps-là, je suis à l'ordinateur. Et en fin d'après-midi, après sa sieste de l'après-midi, et oui, parce qu'il y a une sieste du matin et une autre l'après-midi, donc après la sieste de l'après-midi, nous sortions pour profiter du soleil, du plein air, pour respirer l'odeur de l'herbe, de la... voilà. Ah, est-ce que c'était bon? Donc, très agréable. Je me doute que de par chez vous, il y a les mêmes couleurs automnales. Le craquement des feuilles mortes. C'est un peu comme le crépitement du feu de cheminée en hiver. C'est de la poésie. Widzisz? Et à vrai dire, ce fut une semaine très sociale. Entre les amis qui sont scolarisés ou pas, ou qui reviennent au Pays Basque pour les vacances, parce que c'est, voilà, les vacances ou enfin, bref. On a vu énormément de monde cette semaine. Là, je prépare un petit thé pour une de mes amies qui nous a rendu visite. Et je sors le service de ma grand-mère. Alors, étant donné que c'est le service qui est en vitrine, il est préférable de le laver. Bon, la vitrine est fermée. Bon, il ne devrait pas avoir de poussière, mais juste au cas où, c'est quand même plus... Bon, vous me comprenez bien. La porcelaine est très fine. Bon, et je vous avoue, j'ai sorti le service, surtout parce que les deux enfants, les aînés, l'aîné et le cadet, n'étaient pas là. C'est encore trop fragile pour eux, ça.
Donc la veille, j'ai ramassé des feuilles. Dans la nuit, donc le soir, je les ai mises entre deux livres. Et voilà, c'est, donc, les feuilles se... Elles sont pas encore sèches, mais enfin, vous voyez, elles sont plates et ça sert pour une petite décoration de table. Et là, regardez-moi faire. Mais personne ne repasse les serviettes avec ses mains aussi bien que moi. C'est notre fils aîné qui m'a appris. Mais si, regarde, maman! Regarde, maman! C'est simple, tu le fais avec les mains! Et voilà le petit boy scout de 6 ans qui m'a appris. Alors, je sais très bien que c'est pas l'idéal, mais bon. Voilà. Plié, vendu, ça fait l'affaire. Le goûter était fort simple parce qu'il y avait juste du thé, des pommes et des noisettes. C'est tout. Mais le fait que la table soit bien mise et décorée, vous voyez ce que je veux dire, ça élève le niveau. C'est ça, cette simple pomme coupée, enfin pomme, okay, les pommes coupées et les noisettes font déjà ce petit côté cocooning, très, je ne vais pas dire de luxe, quoi, n'exagérons pas, mais c'est la même chose que quand on sert de la mayonnaise, si vous posez le pot de mayonnaise sur la table, ou si vous mettez la mayonnaise dans un petit bol avec une toute petite cuillère, tout d'un coup, ça en change le goût, quoi. Et petite astuce pour toutes les personnes qui sont au régime, lorsqu'on fait une belle table, cela participe aussi à manger plus lentement, pour savourer davantage ce temps convivial passé ensemble. Et donc, de fait, on mange moins. Pourquoi ? Parce que la sensation de satiété arrive après 20 minutes. Le tout, c'est de gagner du temps, en quelque sorte. Maintenant que je vois ces images en les commentant, je me dis j'ai envie de pommes au four. Parfait, l'hiver arrive. Super. Et là, image magique, regardez, en quelques secondes, les petits pots de bébé seront faits. Alors que dans la réalité, ça prend bien plus de temps. Et là, nous voilà déjà vendredi. Mes garçons vont rentrer, donc avec papa, ils ramènent les garçons. Et voilà, et donc, ils m'ont manqué, mes petits, ils m'ont vraiment manqué. Donc je me suis dit, je vais préparer une belle table pour vendredi soir, pour leur retour, avec un bon dessert. Et à la réflexion, post-factum, je vous dis, il vaut mieux que les pêches soient coupées avec encore plus petits. Les morceaux que j'ai fait étaient légèrement trop grands. Bon, c'était très bon, hein. Mais visuellement, ça rendrait mieux si c'était encore plus petit. Sans en faire de la purée, mais des plus petits. C'était un repas du vendredi soir, tout simple. Et juste le dessert était un peu plus soigné. Et la table ! Si, si, j'ai fait une belle table pour eux. Regardez ce geste du chef pour tasser le fromage et le mascarpone. Je secoue simplement les verrines. Et à présent, une belle table. Alors, je vous avoue, pour nos garçons, les couverts en or, c'était un... Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont parlé et parlé de ces couverts, on peut en plus finir. Mais ils voulaient absolument pouvoir manger avec ces couverts tous les jours. On leur a expliqué que c'est quand même pour les occasions, pour nos invités, pour la fête. Et bref,
Là, je me suis dit, c'est le moment. Sortons ces couverts. Et je peux vous dire... Allez, je ne vais pas vous vendre du rêve. Ils n'ont pas mangé comme des rois, d'une façon, comme de parfaits petits gentlemen. Pas tout à fait, mais tout de même, ils ont pris... On sentait vraiment les efforts qu'ils faisaient par rapport au quotidien. Regardez cette superbe astuce d'apprenti lady. Lorsque votre nappe ou votre chemin de table n'est tout simplement pas repassé, il suffit de transformer la nappe en chemin de table. Voilà. Avec les garçons, nous avions ramassé des glands la semaine précédente. Et voilà, on les ressort et on les sème comme ça sur le chemin de table. Et voici une table pour l'automne, une table automnale. Vous reconnaissez la petite déco courge, citrouille, potimarron que j'avais déjà dans la précédente vidéo. Et là, je l'ai ressorti. Les verres. J'ai réalisé que je n'avais pas mis les verres. Et là, regardez, le bavoir avec des motifs pour le mois d'automne. Je le dis tout de suite, c'est le même pour l'été, l'hiver et le printemps. Je ne suis pas encore au top niveau des mamans d'assortir le bavoir aux saisons. Pour ceux d'entre vous qui souhaitent en savoir plus sur les arts de la table, l'étiquette à la française, comment recevoir en maître de maison accompli, je vous invite à découvrir les deux programmes qui se trouvent juste en dessous en barre d'information. Ce sont des formations en ligne, accessibles partout, pour recevoir et être reçu selon les codes de l'élégance à la française. Me voilà très satisfaite de ma table. À présent, un tour en cuisine. Alors, voilà les images du week-end. J'ai dû faire un petit saut à peau, très rapidement. Évidemment, bébé était avec moi. C'était rapide. Au retour, on a joué. Mais bébé fait un puzzle aussi. Et ensuite, un petit tour en forêt. Alors oui, il a plu. Mais nous sommes passés entre les gouttes. Dzień dobry. Dzień dobry. Dimanche matin, direction l'église pour la messe. Il a fait encore très beau. J'ai tes lunettes. Là, j'ai tes pieds là. Alors, pour la messe, depuis deux semaines, en fait, notre aîné qui se prépare à sa première communion nous a demandé d'être assis devant, parmi les premiers rangs. Alors, c'est pas notre place, nous, d'habitude, les plutôt fans de l'église. Bon, on fait l'effort pour lui et c'est vrai que c'est totalement différent parce qu'il voit à ce moment-là ce qui se passe et évidemment les personnes sont beaucoup plus sages. Mais ça reste que... Oh là là, moi c'est plus ça. Je me sens pas du tout à ma place sur les premiers rangs de l'église, quoi. Donc, oh là là, je vous avoue, depuis... Déjà depuis, voilà, depuis les dernières semaines, c'est pas facile pour moi d'aller à la messe. Enfin bon, c'est pas grave, nous n'agirons pas. Pour mon mari d'ailleurs non plus, c'est pas facile. Voilà. Et regardez-moi cette belle citrouille que nous avons reçue. Donc pendant que j'étais en cuisine pour la découper, la portionner pour le prochain mois, tous mes hommes étaient en train de jouer.
Et quand je dis tous mes hommes, je dis une de mes meilleures amies qui, quand elle parle à son fils, elle dit « Viens, on va voir Anna et les garçons. » J'aime énormément quand elle nous appelle ainsi. Anna et les garçons. Alors voilà, quand maman a les yeux tournés, le train envahit tout, tout, tout. Ah, et nous avons Saint-Joseph avec nous cette semaine. Saint-Joseph circule dans notre paroisse et là nous l'avons cette semaine. Haha, quelle chance. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très prochainement. Et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.